Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et bienvenue à vous dans Raccoon City. On replonge dans les terreurs de la ville et plus précisément du commissariat. J'ai fait quelques petits réglages au niveau de la luminosité histoire que ça soit encore mieux. Et là ça devrait être encore un petit peu plus terrible, plus sombre, rien de mieux que d'être à fond dans l'ambiance. Maintenant qu'on a le couteau on va pouvoir ouvrir cette boîte qui était totalement scotchée et ouvrir le portail, le volet, bien évidemment le grillage électrique. On y va. Pas comme ça que j'imaginais mon joueur. Pas comme ça que j'imaginais non plus, Johnny. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, n'oubliez pas de mettre en 2K 60 FPS, évidemment, et n'oubliez pas de vous faire plaisir. Prenez un petit truc à manger, un petit truc à grignoter, voilà. Un petit truc à boire aussi et, si possible, favorisez le casque. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas dit ça. Mais voilà, favorisez casque ou écouteur parce qu'un bon son, c'est avant tout un bon plaisir. Ok, on est parti. N'oubliez pas que sur moi, j'ai des planches. Santé, pour l'instant, ça va, je suis ok. Je me suis fait graille vite fait, rien de... voilà, rien de folichon. Voilà, on crée une bonne herbe. Voilà, ça reste entre nous les gars. Je veux pas que ça sorte de la vidéo. C'est parti. Pas de surprise là-dessus. On sait ce qui nous attend. Eh, attendez. Ah, je peux pas cette fenêtre. Très bien. Ça veut dire que si on peut boucher les fenêtres, les zombies peuvent revenir. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Les bases de la survie. Et bon appétit, bien sûr. Ça va, pas de carry. On peut continuer, il est legit. Ok. Bon, on se souviendra que ce cadavre tombe quand on s'en approche. Hop, y'a rien à foutre. Hein. Voilà, personne passera par ici, mon pote. Hein. Défense d'entrée. Oh putain, j'ai quand même été un peu surpris, je vous l'avoue. Oui, je vous l'avoue. Ne nions pas l'évidence. Ok, donc ça, c'est le trèfle que je n'ai pas. Oh. Oh, cette fenêtre d'un point était faite. Elle va me créer des petits soucis à l'avenir. Oh, j'ai déjà peur de quand on va rencontrer le premier Lickers. Ah! Oh bah putain, mais. Oh, mais on l'avait vu dans la démo! Ça fait mal, hein! Ah, merde! Ok. Allez. Désolé, j'ai encore du mal avec les joysticks. Oh, je suis mauvais, hein. Je tiens à m'excuser auprès de toute la France. Attends, toi, tu fais des bails sombres, toi. Hein. Toi, tu t'étais relevé la dernière fois, hein. J'ai pas envie de gâcher de balles. Ça va. Elle est morte. Tout va bien. Je pensais jamais dire ça un jour. Mais elle est morte, tout va bien. Ok. Ah bah là, je peux vous dire qu'on va kiffer, hein. On va visiter le fond en comble. Bonjour. Oh, yes. Je prends mon pote, 7 balles. Vous savez ce qu'on dit, vaut mieux 7 balles que pas de balles du tout. Ok. Rapport d'événement. 25 septembre. Le commissariat est converti en abri temporaire pour faire face à la soudaine montée de violence. Tous les agents ont reçu l'ordre de veiller en priorité à la sécurité des citoyens alors que nous tentons d'en accueillir un maximum sur place. 25 septembre. Addendum. L'un des réfugiés nous a attaqués au milieu de la nuit, faisant un mort et 3 blessés parmi les officiers. La personne en question a rapidement été maîtrisée. Nous pensons qu'il ne s'agissait que d'une réaction au stress intense. 26 septembre, une foule a attaqué le commissariat, faisant de nombreuses victimes. Quelques survivants sont parvenus à passer derrière les stores de sécurité, mais nous sommes cernés. Nous aurons du mal à sortir d'ici. Nous ne serons peut-être pas en mesure de rétablir les communications et sommes donc coupés du reste du monde. 27 septembre, une nouvelle attaque est survenue du côté ouest du commissariat vers 13h. 12 personnes sont décédées et il ne reste qu'une poignée de survivants. Tout sombre dans le chaos. David Ford, évidemment. Ce n'est pas celui qui a sorti une marque de voiture. Allez, on y va les gars. C'est par ici, mais avant cela, on a quelque chose. On a le plan, bah ouais.
Le plan pour naviguer comme un colis, y a rien de mieux. Utilisez la carte. La carte est utile non seulement pour se repérer, mais aussi pour conserver des traces, des points d'intérêt et des objets non ramassés. Donc clairement, toujours avoir une carte sur soi. Ah, c'est fermé. Bah oui, mais je suis con, putain. Excusez-moi les gars. Ah bah, je suis pas une lumière. Hein. Là, on est... Les gars, mettez-vous à ma place. On est dans un système de stress intense, évidemment. Ok. Oh yes. Merci. Ça fait plaisir, la famille. Est-ce que je peux le cut? Génial. Oh, c'est dangereux, ça. Hein. Peut-être... Attends, on va tenter un truc. On va tenter un truc. Si le plan tourne mal, courez chez vous. Hein. On va essayer d'économiser une balle ou deux. Ok. Ok. Pas besoin de flingue. C'est bon, mon pote. Je crois qu'on a économisé une ou deux balles. Ok, cette porte est totalement verrouillée. Je sais pas, il voulait quoi? Ah, il reste des chips, je comprends. Il avait la dalle. Bonjour, monsieur. Ah! Ok. On peut pas partir, hein, si ça vous gêne pas. Alors, c'est parti! 102, 103, 106 et 109. 102, 103, 106, 109. On va voir ce qu'on peut faire comme combinaison. Donc 102, 103, c'est mort. Donc on va faire 106. Voilà. Et 109. Aucun souci là-dessus. Vous pouvez me remettre sur l'ordinateur, s'il vous plaît. Voilà. Pas mal. Et on a quoi d'autre de ce côté? On a... ah mais les 200 c'est mort, il n'y a pas la touche 2. Il va falloir la choper, bah oui. Il n'y a pas la touche 2. Ok, my bad. C'est pas grave. Hop, bonjour, ça je prends. Merci beaucoup. Bonjour, ça je prends. Merci beaucoup, une pellicule évidemment. Quelqu'un là. Hein. Ah putain, mais il était venu pendant la démo en plus. Je me suis dit, tu sais, faut peut-être la pellicule. Mais que nenni! Monsieur? Ah, ah! Putain! Pardon. Saloperie. Faut mourir, hein? Oh fuck! Prends ça! Attends, on a eu combien de trophées là? Ok. Terrible. Terrible. C'est bon, y'a un mec qui s'acharne là-haut. Ah, oh, c'est horrible! Hey! Une carte, hein, évidemment, que je n'ai pas. C'est pas grave. Et là, on n'a plus rien, on a que ça. Oh, je suis tellement déçu, quoi. Je m'attendais à, je sais pas, un truc sympa, un tank, un lance-roquette, un hélico d'attaque. Quelque chose, quoi. Ah, terminal des casiers. Il semble que certaines touches manquent sur le terminal des casiers. Je conseille aux responsables de trouver des touches de rechange et d'arranger ça, fissa. Tu sais de qui je parle, enfoiré? Qui d'autre aurait pu déglinguer ça? Très bien. Tu sais de qui je parle, en forêt, qui d'autre aurait pu déglinguer ça? Ok. Okay. Quoi? Mais frère! T'as combien de vie, toi? Incroyable, ce mec. Mec! Non, genre, t'es un forceur, en vrai, toi, dans la vie, non? Eh, c'est quoi? Hop, ça dégage, hein. Je commence à me gonfler. Bon, lui, il me gonfle aussi. On va tout plier en or. Bonjour. Quoi de beau? Ok, une poudre noire. Ça va permettre de créer des balles. Usage de la poudre noire. Munition pour pistolet, donc deux poudres noires, ça fait des munitions pour pistolet. Poudre noire et poudre jaune, ça fait des munitions pour fusil. Et des munitions de max et deux poudres jaunes. Il ne reste pas beaucoup de munitions dans le commissariat, alors utilisez la poudre que vous trouvez à bon escient. Chaque arme nécessite des munitions spécifiques. Réfléchissez bien en combinant les éléments pour obtenir ce dont vous avez besoin. Rien de plus logique. Ici, il n'y a pas de screamer, hein, dans mes souvenirs. Quand même pas mal de munitions encore, hein, dans le comico. Je sens que ça va devenir de plus en plus hard. Bonjour, monsieur. Ok. Oh, fait chier, putain. Tout est verrouillé par ici. On peut se casser, bonjour. Oh,
Première mission. Leon S. Kennedy, votre première affaire est très spéciale. Votre mission est d'ouvrir votre bureau. La clé de la réussite se trouve dans les initiales de nos prénoms. Entrez les lettres dans l'ordre de nos bureaux. Il y a deux serrures, une à chaque côté de votre bureau. Ouvrez les deux. En gros, votre première tâche est de vous souvenir du nom de vos collègues. Mais vous aviez compris, pas vrai ? Bonne chance, Léon. Au fait, il se peut que l'officier Scott ne soit pas très coopératif. Ok. Dans le prénom, bah, c'est S et B. Les initiales de nos prénoms. Entrez-les dans l'ordre de nos bureaux. Il y a deux serrures, une de chaque côté de votre bureau. Griffonné au milieu de taches de sang. Ah, c'est pas terminé, putain. T'as de la chance de pas être là, le bleu. Ah, ok. What? Bah attends, c'est Scott. Scott est bré. Bougez pas. Bah non, y a rien qui commence par ça. Hop, ça dégage. Alors? Alors on est mauvais? Pour résoudre des affaires? Ah, c'est terrible ça, hein. Et là on a quoi par exemple? Les initiales. C'est très très chiant cette affaire. Je vais relire après. Attends. Ah yes! Marvin. Ok. Donc, Marvin. Ah, on a un problème. David Ford. Elliot Edward. Rapport d'opération, 28 septembre, 2h30. On n'est plus que 4 ici. Pas d'armes, pas de munitions. Et les affrontements nous ont épuisés mentalement et physiquement. On ne s'en sortira pas. L'officier Phillips a suggéré une fuite par les égouts. Apparemment, il y a un tunnel secret qui date de l'époque où cet endroit était un musée. J'avais rejeté son idée, mais maintenant, elle ne me paraît plus si mauvaise. Rien ne prouve que ce tunnel existe ou que les égouts ne sont pas infestés de zombies. Mais je ne veux pas attendre la mort ici. C'est risqué, mais je vais essayer de trouver des infos sur ce tunnel. Alors attends, là, comme par hasard, il n'y a pas de blaze, d'accord? Ah! Putain, mais en plus, c'est horrible, hein? Merde. Hop. Alors? Putain. Allez, hein. Allez, ça dégage. Ok. Putain, ça abîme un peu mon couteau à chaque fois, c'est terrible. Rita Phillips. Faut que je relise, hein, vraiment, cette histoire d'énigme à la con, là. Comment on va faire? Start, peut-être? Non, pas du tout. Ok. C'était lequel? Première mission, voilà. Léon S. Kennedy, votre première affaire est très simple. Votre mission est d'ouvrir votre bureau. La clé de la réussite se trouve dans les initiales de nos prénoms. Entrez les lettres dans l'ordre de nos bureaux. Pas de soucis, pas de soucis. Ouvrez les deux. Pas de soucis. Donc, normalement, ça serait Scott. Prénom, hein. Elliot. Donc, E. E-D. S-E-D. E-D. On va essayer toutes les lettres, c'est pas grave. Yes, c'était un N. Très bien. Premier cambriolage. Ensuite, on a quoi? Heureusement qu'on en a deux. On a Rita et Marvin. Marvin, si tu m'entends. Donc, ça finit par un M. Ah non, cette fois, c'est dans l'autre ordre. Marvin, Rita. F non, K non, J non, I non, H non plus, c'est G. Et ben voilà, on va enfin voir ce qu'on a gagné, les gars. Oh! Chargeur grande capacité pour le Matilda. Très bien. Écoute, je vais être très honnête avec toi. Je le prends.
Et je peux le combiner avec quoi? Avec rien du tout. Eh, mais ça fait plaisir. Augmente la capacité du chargeur, pardon, à 24 balles et réduit le temps de rechargement. J'ai envie... Oh! Quoi? Ok, c'est totalement fermé. Je me casse? Ok, je me casse. Rien à faire ici. J'ai envie de repartir à zéro, les gars. Ok. Rien à faire ici non plus. Si, j'ai une idée. Ah putain, c'est... Ah! Putain, c'est vrai qu'ils ouvrent les portes. Ok. Meurs. Meurs, démon. Ouais, putain, ça abîme le couteau, fait chier. Ok. Allez, on continue, c'est pas grave. Je crois que le Matilda, c'est le premier pistolet que j'ai remis derrière. Allez, fais pas le gars, toi. Sors de là. Sors. Putain, merde. Ok. Fallait juste que je tire dedans. Deux balles dans la tête pour mourir, monsieur. Hop. Petite cascade, ça fait plaisir. Ferme-la. Ok. C'est bon, monsieur. Ça a l'air bon. Wesh. Ok. Allez, mon pote. Ça équivaut à un spray, ça, en gros. Ah, d'accord. Ok. Vas-y, hein, descends. Je vais mettre ta part, toi, mon pote. C'est bon ? Ok. On va arrêter de faire le con avec le couteau. Oh là là, c'est terrible. Ah là, on me fera plus chier. Ah oh. Ok. On va arrêter de faire le con, j'ai dit. On sait jamais. Vertu des plantes. L'homme utilise des plantes pour soigner les maladies depuis la nuit des temps. Cet ouvrage analyse les plantes médicinales natives des montagnes d'Arclay, évidemment. Les plantes vertes soignent les blessures sans gravité. Les plantes bleues sont utilisées depuis longtemps contre les empoisonnements. Quant aux plantes rouges, elles n'ont, malgré leur beauté, aucun effet thérapeutique. C'est du moins ce que l'on pensait jusqu'à récemment. On savait que la combinaison de plusieurs plantes améliorait les effets. Mais on a découvert que les plantes rouges étaient utiles lorsqu'elles étaient correctement associées. D'après un expert en médecine asiatique, un mélange de plantes bleues et rouges renforce la constitution. Nous commençons seulement à réaliser le potentiel de ces plantes et leur capacité à soigner le corps. Des analyses poussées donneront sans doute des résultats fascinants. Ok. On va pouvoir save. Ah yes. Est-ce que le Matilda, c'est ce que je pensais? Putain, c'est totalement ce que je pensais. Et là, je peux avoir... Oh là là. Bah ouais, et là, je peux avoir forcément plus de balles. Bricoleur. Ok. Voilà. Ouais, c'est fort embêtant tout cela. C'est fort embêtant. Bon. Je peux avoir 24 balles, c'est juste énorme. Ok, c'est parti. Une plante rouge, ça fait toujours plaisir. Les pellicules contiennent des preuves. Ne les laissez pas traîner. Ah, attendez. Ok, il y avait un truc, mais ça a disparu. C'est parti, pellicule numéro 1. Photo commémorative. Très belle photo. Voilà, 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 c'est tout. Ça contient de sacrées preuves. Non, en gros, c'est pour dire que je crois qu'il a un bâton avec un rubis. Donc, dans ses mains. Donc, faudra sûrement le retrouver. Yepans.
Ok. C'est parti pour la suite de nos aventures. J'ai 3 balles. On va save. Allez. J'ai 3 balles et 2. Oh là là, j'hésite à prendre le Samurai Edge pour utiliser les 2 balles quand même. Et couteau, par contre, j'ai presque plus rien dans le couteau et ça, c'est terrible. Ah, vas-y, rêve-moi. Fais-moi rêver. Voilà, là, tu commences à me faire rêver. Vas-y, fais-moi rêver. Ok, encore de la poudre noire. Bon. Ok, c'est ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Ah, ça fait 15 balles! Ah, quand même! Ok. Je savais pas que ça faisait autant de balles. On est redevenu très très bon sur le nombre de munitions. Oui, je save beaucoup, mais c'est Resident Evil. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's et à Raccoon City par la même occasion. On est reparti, on continue. Je me sens un petit peu plus serein là, tu vois. Attends. Ok, j'ai bien soin sur moi. J'aurais dû laisser la plante, bougez pas. Faut savoir que les emplacements dans l'inventaire sont quand même assez cruciaux, d'accord? Donc si vous faites n'importe quoi avec un... C'est comme votre chambre, votre inventaire dans Resident Evil. Si c'est mal fait, ça va vous coûter très très cher en aller-retour, c'est moi qui... Allez, on va pouvoir y aller. Ils ont d'ailleurs dans mes souvenirs ajouté 2 places. Bonjour madame, monsieur, madame, on ne sait pas. Ok. Il y a un étage par ici. Je sais plus ce qu'il y avait là. Oh. Ah! Ah oui, il y avait le mec qui faisait des surprises dans le casier. Bon bah là, pas d'effet de surprise normalement. Oh, coffre portatif! What the fuck? Un petit coffre portatif. Vous pouvez examiner un objet sous tous les angles et en sélectionnant la commande examiner. Il se peut que vous découvriez quelque chose d'utile. Ok. What the fuck? Très très bien. D'accord. Donc dedans, il y a certainement une clé. Je suppose cachée. Ok. Instruction coffre portatif. Appuyez sur une touche pour allumer la lampe correspondante. Allumez toutes les lampes pour ouvrir le coffre. Les touches doivent être enfoncées dans l'ordre. Une seule erreur éteindra les lampes et vous devrez recommencer toute la séquence. D'accord. Ok. Et j'ai déjà ma petite idée. J'ai déjà ma petite idée. Vous voulez que je vous montre mes talents un petit peu à l'œuvre? Bon bah ça on sait pas du tout qui ça peut être. Et ça. Voilà. Hop. Pas d'effet de surprise, c'est déjà fait. Très bien. Ok, bougez pas, j'ai une idée. J'ai une astuce très intéressante. Bon, à part faire de la musique, en fait, mon astuce est nulle à chier. Il y a trop de combinaisons possibles, c'est terrible. Non, il y a trop de combinaisons possibles. Mais il doit y avoir un truc de ouf là-dedans, frère. Oh putain. Oh, j'ai envie de me pencher dessus parce que ça met 2 heures. Mais je vous le montre en dehors du record, tu vois ce que je veux dire? Ok. On a quoi? Encore une plante? J'adore. J'adore les plantes. Ok, très bien. C'est toi qui vas très bien. C'est très bizarre. J'ai entendu un bruit suspect. Je crois que c'était une femme zombie. Ok. Bougez pas. Eh, je vous ai dit quoi, les gars, sur votre chambre et inventaire? Bien sûr. Hop, déposé, ça dégage. Ce coffre... on verra plus tard. Et on verra plus tard. On est pas mal. Là, on est bon. Encore une belle organisation de proposer de ma part. On y va. Ah, on prend déjà plus notre temps, les gars. Bah, c'est le jeu complet. Moi, je veux apprécier. J'espère que vous appréciez, d'ailleurs. Quitte à faire des allers-retours. Le kiff est là, je vous le dis. Hop, on devait aller au 2e étage. Ok. Encore des balles. On a pas mal de balles, ça, c'est plutôt cool. En plus, on a réussi une énigme. Ah, putain, ça, c'est pas un zombie, hein.
Ça, tu me la fais pas deux fois. Il y a beaucoup trop de casiers à mon goût ici. Hein. Ok. Hop. On a la clé. Voilà, voilà, voilà. Quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter, peut-être. Que c'est pas le moment de faire marche arrière, finalement, quand on y pense. Oh putain. Oh putain. C'était quoi ça? C'était le Lickers. C'était le fucking Lickers. Je l'avais pas vu pendant la démo, lui, à la fenêtre. Bonjour. Ok. Aux survivants éventuels, considérez ceci comme un cadeau destiné à ceux qui ont la malchance d'être en vie. Restez à l'affût de ces atrocités qui ont l'air d'avoir été écorchées vives. Les Lickers. Ils sont complètement aveugles. Et ils compensent grâce à leur oui très développé. Tant que vous ne courez pas partout comme un abruti en tirant sur tout ce qui bouge, vous devriez vous en sortir avec un peu de chance. Quoi qu'il en soit, avancez aussi lentement que ma grand-mère quand vous passez à côté d'eux. Bon, c'est pas que j'ai envie d'y aller, mais le devoir m'appelle. Et puis, j'ai un copain à venger. Ok, David. David, il a voulu faire le show. Il s'est fait miskina. Ok, une petite poudre noire des familles. Ok, de quoi boucher une porte. Ah ! Oh putain, mais... Ah, ils ont bien choisi le moment. Alors que ça l'avait fait encore pendant la démo, mais là... Ok. Très bien. Pas mal de balles, ça fait plaisir. Griffonnage de quelqu'un. Que ces enfoirés en costard aillent au diable. Ils se sont débarrassés de moi, après tout ce que j'ai fait pour eux. Puisque c'est comme ça, je vais m'amuser un peu avant la fin du monde. J'ai enfermé toutes ces sales poulets en cage et posé un pain de C4. J'ai plus qu'à le faire sauter, et adios les tocards. Mais c'est pas marrant si c'est trop rapide, alors je donnerai peut-être à Staré de quoi couiner. Ouais, je lui donnerai peut-être un jouet, et je lui dirai « Tue ce mec », et j'épargnerai les autres. Je me demande ce qu'il fera. Tu parles de justice et de fierté, mais combien de fois tu t'es opposé à moi, ton supérieur? Ouais, t'es un flic parfait. Si parfait que tu devais mourir. C'est marrant, il me faut de la musique. Ok. Allez! Une sacoche, des emplacements en plus et du bonheur. Besoin de place, merci. Ok. Ok, ok. Ouais, comment je l'utilise? Peut-être de la poudre? Non. Ah non, il me faut un briquet de toute évidence. Oh putain, j'ai eu peur. Je vous avoue que j'ai cru que ça allait sauter. J'ai eu un petit moment un peu de frisson, tu vois ce que je veux dire? Ok. Il est peut-être temps de s'en aller, non? Attends, il n'y avait pas un fusil à pompe ici? Franchement? Pendant la démo, j'avais un peu pont, là. À cette heure-là. Et là, il m'appelle pas pour venir, le gars? What the fuck? Okay. Léon, ah bah voilà. C'est Marvin. Il faut que tu reviennes immédiatement. Tout va bien, Marvin? Je veux te montrer quelque chose. C'est important. Compris. J'arrive tout de suite. Et ben on va y aller très vite en courant. On viendra ici nettoyer plus tard. Parce que je me suis fait un petit peu baiser. J'ai pas de peupon. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Excusez-moi. Ok. Allez! Putain, on se casse. Allez, au revoir! Ils peuvent pas rentrer dans le hall. Je suis rassuré. Allez, on y va. Voyons voir ce que t'as montré. Et oubliez pas que j'ai cette statue à faire. Et vous savez quoi? On va même la faire maintenant. Je sais plus du tout ce qu'elle offre. Donc, c'est parti. Dans mes souvenirs, c'était... toc, toc. Lion. Blé. Et c'était aigle. C'était ça. Voilà, je suis le boss. Premier jeton, mon pote. Nickel, on a le premier jeton à mettre en bas. C'est déjà ça de fait. Vas-y, montre-moi, fais-moi rêver. Te voilà. Approche. Regarde.
je t'aime! Elle s'en est sortie. Oh, tu la connais? Ouais, elle s'appelle Claire. On est arrivés ici ensemble. Tu peux accéder à cette cour via l'étage supérieur, côté est. Compris. Merci, lieutenant. Bon, on a beaucoup de portes à ouvrir et beaucoup d'endroits encore à visiter, mais on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Pour l'instant, ça a l'air facile, mais croyez-moi, il y a les leakers et ça, à eux seuls, c'est un chargeur entier. Ça risque d'être terrible et on n'a pas le fusil à pompe. Ils l'ont donné que pour la démo, ces salauds. Je vous fais des bisous. En attendant, tiens, hé, ça, on dépose. J'en aurais pas besoin. La clé, on va ouvrir toutes les portes. Après, on s'en débarrasse. Et ça, je peux le déposer. J'en ai pas spécialement besoin. On le mettra après. Il n'y a pas de souci. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.